Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas prévue dans mon planning, mais qui va être assez chouette, je pense, puisqu'hier, dans ma boîte aux lettres, j'ai eu la surprise de trouver un courrier de l'Homographie qui contenait ceci, qui est un rouleau de pré-production de la très attendue Lomo Turquoise qui a été annoncée pour le mois de juillet. Et mon contact à l'Homographie a réussi à m'obtenir, de la part du siège de Lomo, un rouleau de pré-production pour tester ça un petit peu en avant-première. C'est la surprise de ce début d'année et ça fait plaisir. Donc on va aller, c'est un programme tout simple, on va aller shooter ça dans un endroit assez cool et puis voir ce que ça donne comme photo avec un petit peu d'avance sur le reste du monde. C'est parti. Donc aujourd'hui on est à, enfin je suis plutôt à la Villa Cavrois, donc qui est une superbe villa près de Lille et qui a l'avantage d'être faite en briques vraiment très orange. Il fait super beau et comme la particularité de la turquoise c'est de transformer le orange en bleu et le bleu en doré, je pense que ça va vraiment faire des photos assez chouette. Il y a tout un parc, il y a aussi l'intérieur de la villa. Je sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur, mais je vais essayer. On est un jour de semaine, donc il n'y a pas grand monde. Ça devrait pas trop poser de problème. Mais voilà, je pense que ça va être un chouette lieu pour tester cette turquoise, à la fois dans des vues un peu de paysage, des vues d'intérieur, et voir un petit peu comment ça rend cette pellicule toute nouvelle. J'ai commencé par quelques vues extérieures de la villa en me baladant dans le parc et je dois dire dès le départ que ça a été mes photos favorites. Les conditions étaient vraiment idéales pour cette pellicule et tu peux voir que bah, ça donne vraiment un côté très irréel aux images avec ces ciels qui sont devenus tout dorés, la villa qui est devenue entièrement bleue. Je trouve que ça donne un côté totalement irréel, un petit peu vaisseau spatial vintage qui se serait posé là ou base lunaire. C'est assez impressionnant et le rendu est vraiment vraiment top. J'ai vraiment essayé de jouer avec la géométrie de la villa pour jouer justement sur ce côté réel parce que j'avais un petit peu en tête ce type de rendu là et je trouve que j'ai plutôt réussi à travailler avec l'architecture pour renforcer justement le côté un petit peu abstrait du rendu et jouer sur cette transformation des couleurs. La couleur des briques était vraiment idéale pour la pellicule et on a vraiment cette bichromie qui est très intéressante avec la turquoise qui marche, je trouve, encore mieux qu'avec d'autres pellicules de la gamme comme la Lomochrome Purple dont j'avais déjà parlé. Après les vues d'extérieur, je voulais aussi tester la pellicule en intérieur. Comme c'est une pellicule 400 ISO, ça te permet quand même de faire quelques prises de vue en intérieur. Et je voulais voir, parce que justement, je sais qu'il y a beaucoup de murs de couleurs dont la villa, qui a beaucoup de grandes fenêtres, et je voulais jouer sur ce côté intérieur-extérieur, voir comment la pellicule allait marcher dans un environnement un petit peu plus sombre et comment elle allait gérer les contre-jours. Thank you.
ensuite passer aux étages, puisqu'il y a plusieurs étages pour des prises de vue aussi en contre-plongée. J'aime beaucoup celle-ci du salon avec les fauteuils, les petits détails et le jardin derrière, et celle-ci du petit coin où aussi on a cet effet d'intérieur-extérieur que je voulais avoir dans mes différentes prises de vue. La Villa Cavrois est aussi très connue pour son escalier et sa baie vitrée dans la tour, et j'étais assez content de cette image où il y a juste quelqu'un qui s'est posé dans la baie vitrée. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus exposée, mais c'était vraiment un bon moment au bon endroit. Et celle-ci également, toujours dans ce jeu d'intérieur-extérieur, joué avec l'architecture et la vue du parc. Ensuite, on arrive tout en haut de la villa où on a une magnifique vue sur le parc, et c'est ici que j'ai terminé ma pellicule et sur quelques vues toujours en intérieur extérieur en descendant ensuite vers le parc. Dans tous les cas, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une pellicule qui offre des transformations de couleurs assez impressionnantes. Et personnellement, moi, je vois pas la différence avec l'ancienne version, puisqu'il faut savoir que c'est une pellicule qui existait auparavant, au début de l'histoire de l'homographie, qui a été discontinuée, qui est aujourd'hui refaite sous une autre formulation, un petit peu comme ils avaient reformulé la Lomochrome Purple il y a quelques années. Mais là, sur la turquoise, il y a eu un temps d'interruption, donc c'est plutôt très bonne nouvelle d'avoir cette émulsion qui arrive, de voir que l'homographie essaie toujours de maintenir ses différentes émulsions et ses différents projets, contrairement à d'autres acteurs du marché argentique qui ont plutôt tendance à discontinuer du film. Donc ça, c'est vraiment des très bons points pour l'homographie, d'avoir cette écoute de sa communauté, de dire voilà, on sait que cette pellicule vous manque et on essaye de la remettre sur le marché. Personnellement, j'avais pas eu la chance de shooter la première version de cette pellicule il y a quelques années. Ma femme avait fait quelques photos avec, et globalement, je trouve que le rendu est assez similaire. J'ai l'impression que la nouvelle formulation est un petit peu plus contrastée, un petit peu plus saturée, mais c'est peut-être aussi simplement une question de scan et de traitement des images. Il y a quand même plusieurs années entre les différentes pellicules et même la manière dont on a travaillé nos photos. Sur le rouleau que j'ai reçu, il y a quelques petits défauts, notamment des rayures et puis des petites taches rouges dans les ombres qui sont apparues sur certaines images que j'ai pu atténuer grâce au scan, ce qui n'est pas inquiétant, hein, parce que je te rappelle que c'est un rouleau de pré-production, donc faut pas t'alarmer sur ces défauts, c'est tout à fait normal que ce soit pas un rouleau final, on est encore à 6 mois de la sortie commerciale de la pellicule, donc les rouleaux qu'on reçoit nous pour des tests, ça va être des rouleaux qui sont pas totalement finis, sur lesquels l'homographie travaille encore, sinon la pellicule serait déjà en vente, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc faut pas t'inquiéter, ce sera résolu d'ici la fin de la production, de la vente de la pellicule. C'est systématiquement le cas pour les produits, j'ai déjà testé en pré-production plusieurs rouleaux de l'homographie et à chaque fois la version commerciale était impeccable. Comme pour toutes les pellicules de la gamme Lomochrome, donc il y a la Purple, la Metropolis et maintenant la Turquoise qui revient, forcément le rendu va aussi dépendre de tes conditions de prise de vue. Là, dans cette journée, dans les photos que je t'ai présentées, j'étais bien évidemment dans une journée un petit peu idéale pour ce genre de pellicule. Il faisait super beau, l'architecture, j'avais choisi le lieu en conséquence aussi pour avoir ces briques oranges que tu as pu voir dans la vidéo, dont je savais qu'elles allaient tourner virées au bleu. Donc forcément, il y a toujours une part un petit peu d'inconnu, et c'est des pellicules qui prennent un petit peu de temps pour s'apprivoiser. Moi là, j'avais que 24 vues, donc j'ai pas pu travailler sur du portrait, sur des choses comme ça plus en détail, mais c'est prévu pour la sortie. J'ai déjà ma commande de pellicule qui est faite en moyen format, et là on testera plus de choses sur la version commerciale de la pellicule. Si toi aussi t'as été convaincu par cette vidéo et que tu veux commander tes pellicules pour le mois de juin, je te laisse le lien dans la description vers la boutique de l'homographie où je pense que la campagne de précommande est encore en cours. Alors forcément sur les premiers lots, sur la première livraison, il y a des quantités qui sont limitées, mais je pense que l'homographie va, comme pour la Purple,
après ensuite distribuer cette pellicule dans son réseau de labos partenaires habituels, mais ça peut prendre un petit peu de temps, donc si tu veux vraiment être sûr d'avoir tes rouleaux dès le début, tu peux aller les précommander en 120, en 35 mm et même en 110 sur le site de l'Homographie. J'espère que ça t'aura plu de découvrir cette pellicule avec moi, d'avoir cette première aperçu un petit peu en avant-première de ce que ça va donner cette toute nouvelle pellicule. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et faire tout ce que tu ferais sous une vidéo YouTube qui t'a plu. Et dans la description, tu trouveras également le lien vers mes réseaux sociaux ainsi que Box Argentique, qui est ma box photo pour les photographes argentiques qui veulent découvrir des nouveaux films. Tous les 2 mois, tu reçois un nouveau film dans ta boîte aux lettres. Ce sera pas de la Lomochrome Turquoise tout de suite, mais pourquoi pas, elle pourrait se retrouver un moment dans cette box. J'espère que cette vidéo t'aura plu et moi, il ne reste plus qu'à te dire à la prochaine. Et d'ici là, bonne photo.